Bonjour à toutes et à tous. La nature des exportations africaines est-elle favorable à une insertion de l'Afrique dans le commerce international? Question posée cette semaine par le journaliste Benoît Koninga dans un article paru sur le site web du journal congolais Le Potentiel. Benoît Koninga estime en effet que la nature des produits offerts par les pays africains semble évoluer à contre-courant des besoins actuels du marché mondial. La composition des exportations de l'Afrique, basée principalement sur les matières premières, diffère nettement par exemple de celle des pays de l'Asie du Sud-Est qui exportaient essentiellement des produits manufacturés. Or, la proportion des produits manufacturés dans les exportations mondiales a considérablement évolué depuis les années 50. En fait, les exportations des pays en développement en général, et africains en particulier, reposent toujours de manière prépondérante sur les produits primaires, alors que les pays développés, de manière générale, se sont taillés la part du lion dans les exportations des produits manufacturés. Il est dès lors évident que le commerce international a pris une orientation toujours plus favorable aux pays développés et défavorable aux pays en voie de développement, sans vouloir non plus être caricatural et manichéen. Mais Benoît Koudinga nous fait remarquer que la composition des exportations des pays du tiers-monde, portant essentiellement sur des produits primaires donc, et les exportations étant limitées et concentrées à quelques grands marchés uniquement, et bien cette position n'a finalement jamais été favorable aux pays en voie de développement et donc aux pays africains. Alors quelle réponse peut-on apporter à cette situation? Et Benoît Koudinga conclut son article en disant que le développement des secteurs industriels et des services demeure finalement le grand défi que les pays africains se doivent de relever, et il importe pour eux, nous dit-il, et donc désormais, d'élargir leurs circuits mondiaux de commercialisation à de nouveaux horizons et donc à de nouveaux marchés. Je vous invite à aller plus loin dans la lecture de cet article, si vous le souhaitez, en vous rendant sur le site qui s'affiche au bas de cet écran. Et en attendant, eh bien moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.